Et nous voilà partis pour un surf trip. Surf trip, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Et nous voilà partis pour un week-end de chasse sous-marine et de pêche à la ligne avec Captain As, JC et Karim. Donc évidemment pour la pêche, hein, les hameçons, les tias, 50, 90 livres. Donc voici à la pêche. On vient de finir une petite session avec les copains et on a fait quelques beaux poissons. Badèche, sel-sel. Vas-y. Donc vas-y, vas-y. La badèche, elle est presque pas prise. Et voici Hassan, l'équilibriste. Alors regardez, je le tiens pour pas qu'il tombe. Bravo. Je crois que les gars n'ont pas été. Bravo. Oui, deux belles badèches à la ligne. Vas-y, mets-les. Attends, moi je prends les deux directs. Les deux directs. Ah, j'aime pas les mal de bien. Tournez-les bien, tournez-les bien. Voilà. Tournez-les bien. Ouais, ça c'est des beaux poissons. Diering. Comment on appelle ça en français? Des... bon, on recommence. Bon, ça sont des diering. Dans le texte. On vient de couper la corde à l'ancrage. Et Hassan a sauté dans l'eau pour pas qu'on perde le bout de l'ancre. Oh, Hassan! Alors, tu prends ta douche? Voilà la préparation du thieboudienne avec Hassan qui nous sort les morceaux de poisson. Badèche, dorade et sel-sel. Miam! Après la pêche à la ligne, c'est la chasse. Je descends à la gueuse sur un fond de 30 mètres. Il y a du poisson. C'est très sombre. Je les entends, je les vois. Il y a un diabar, je l'entends. Voilà les rouges. Ils sont là, des diagatounes. Ah, un diabar! Vous voyez son coup de queue caractéristique, il revient. Je vais avancer le fusil au moment où il va revenir et je vais tirer. Très bon tir. Je le maîtrise, je tiens la corde et je l'arrache pour pas qu'il rentre dans l'épave. C'est un beau poisson, je pense une bonne dizaine de kilos. Arrivé à la surface, voilà le poisson. Gaffe-le. Oui, beau poisson. Oui, il fera 11 kilos. Et voilà As qui le prend. Magnifique diabar. As, parti, il a tiré. Oh, c'est un beau poisson. C'est un très gros poisson, il est bien rond. Oh, c'est un yard, il est magnifique. Il doit faire pas loin de 15 kilos. Oui. Putain, il est beau, hein. Super. Oh, il est magnifique. 15 kilos, c'est un record du monde. Très, 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 très beau. Il ne sera pas homologué, mais c'est pour le fun. J'ai pas le souffle. Ouh, Hassan! Alors, qu'est-ce que c'est, Hassan? C'est ya! Ya! Voilà les boys. Et voilà les boys Dakar. Avec un magnifique yard, record du monde, pour Stéphane, clin d'œil. Voilà. Et un beau diabar. Pêché par Karim. Allez. Voilà. J'y retourne. Il y a des rouges. J'essaie d'en aligner un. Bon tir. Il y a plein de diagatounes. J'essaye de choisir un poisson un petit peu plus gros. Je regarde, ça y est, j'en ai repéré un. Je le tire de loin, je le sèche. Il se coince. Je le prends, je le tire. Là, on est à un fond de 22, 23 mètres. Je remonte. Superbe. Beau poisson de 6-7 kilos. De nouveau, je replonge. Je dois nager à peu près 20 à 30 mètres sous l'eau en suivant les poissons. J'en repère un diagatoun. Je le tire, je le sèche. Ce sera un poisson, oui, c'est ça. Il fera 4-5 kilos. Les voilà.
Diagatoun. Ouf. Nouvelle apnée, je vois des cobias. Ils tournent, ils sont assez méfiants. Je vais devoir le tirer de loin. Oh, le tir n'est pas très très bon. Je bloque le poisson quand même et remonte à la surface. Et là, regardez, le cobia va me charger. Il n'est pas gros, mais il va me charger. Regardez bien. Hop. Et là, il se décroche. Ah, j'aime pas ça. Donc là, on est avec Ahmed Nar. Il va nous placer à la pêche. On va pêcher à la ligne. Donc là, on est avec Hassan. Sous le regard attentif de Karim, il est en train de préparer des têtes de sèche pour qu'on puisse mettre au bout de nos lignes. Ça, qu'est-ce que c'est? Diring. Diring, Dantex. Super, c'est bon. Voilà, Hassan. Ouais, joli badèche. Bravo. Tu lèves ma fille. Merde. Il est bien là-haut. C'est un sel-sel. Badèche. Belle badèche. Ah, c'est dingue, ma dingue, c'est mon tir. J'ai failli jeter ta caméra. Hop. Wouh. Et hop, encore une badèche pour JC. Marche cam. Elle est mal prise. Bravo. Merci. Marche cam en action. Même à la pêche, fait des ravages. Voilà. Fin de la partie de pêche. Magnifique repagre rouge. Des dentex. Et de très belles badèches. Notre papa, Ahmed Nar, il vient de faire un beau poisson. Et voilà, le beau poisson d'Ahmed. Magnifique. La badèche de qui celle-là? Ouais, bravo As. Voilà, là c'est Hassan qui a un poisson. Il le travaille, donc ça doit être un beau poisson. Il n'a pas un très gros ftiastre. En fil n'est pas très gros. Ah, Karim à la manœuvre. Badèche. Et notre équilibriste, Hassan. Qu'est-ce là? Donc la même technique que le jig, mais à la main. Regardez la rapidité des mouvements, je peux vous dire que c'est pas facile à faire. Bon, voilà un bon moment après la pêche. Et il monte son cul, attends. Bon, voilà un bon moment après la pêche. Des œufs sur le plat, cuisiné par Karim, le chef. Pendant que As fume son narguilé. C'est pas belle la vie? À bientôt.